Et salut tout le monde, c'est Faredj et bienvenue les amis dans ce deuxième épisode de Metal Gear Solid The Twin Snake. Alors je commence direct comme ça cash hein, en parlant parce que les caméras et les soldats ne m'attendent pas. Donc aujourd'hui on va essayer de descendre au premier sous-sol pour sauver le chef du DARPA. Donc ce que vous voyez au niveau du radar, les espèces de petits trucs, c'était le champ de vision des caméras. Et vous voyez que je suis rentré dans une zone où on a pu récupérer notre premier arme, le SOCOM. Mais le problème c'est que cette arme n'a aucun silencieux. Et du coup ça veut dire que si je tire, tout le monde va m'entendre et je vais me faire repérer dès le début. Donc vous voyez pourquoi je vous disais que le jeu était facile. C'est que là, vous gardez appuyé sur A, vous visez avec le laser et vous tirez. Ça c'était comme ça dans le 1. Mais dans celui-là... on peut également tirer à la première personne, ce qui me permettrait, vous voyez, de viser les ennemis qui étaient en bas. Chose que je ne pouvais pas faire avant dans le Metal Gear sur PlayStation. C'est pour ça que je dis que le jeu est quand même plus facile maintenant, parce qu'il n'y a plus ce côté infiltration qu'on pouvait avoir sur la PlayStation. Même si c'est vrai que là, ça donne un côté réaliste pour le coup. Mais on n'a plus ce côté infiltration. Bon, c'est comme ça, hein. Et autre chose, vous avez peut-être remarqué, si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous montrer. Là en face, il y a une porte avec un numéro 2 écrit dessus que je n'ai pas ouverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir les portes dans ce jeu. Dans ce jeu, pour ouvrir les portes, là vous voyez par exemple, il y a un numéro 1. En fait, chaque numéro correspond à un niveau d'accréditation dont on a besoin pour ouvrir les portes. C'est-à-dire que si je porte par exemple sur moi une carte de niveau, admettons 1, eh bien je pourrais ouvrir toutes les portes de niveau 1. Enfin, c'est pas que je pourrais ouvrir, c'est qu'elles s'ouvriront durant toute seule en fait. Et voilà, et ça va être ce système qui nous permettra d'ouvrir les portes. Puisque on ne pourra pas avancer sans carte d'accréditation. Ah, attendez, là je dis un peu n'importe quoi aussi parce que j'essaie de me concentrer. Tac. Là. Action, lui, il va faire le tour. Normalement, il y en a un en face quelque part. Ouais, il est là. Is there somebody there? Non, non, il n'y a personne. Voilà. Tac, on appelle l'ascenseur. Ah, ça c'était le pouvoir de Snake. Infiltration, dépêche-toi parce que le garde va arriver. Et on descend donc au premier sous-sol. Là où est censé être le chef du DARPA. Donc je vais essayer de faire ce jeu, il y a plusieurs façons de le faire, il y a la façon bourrin, il y a la façon... Moi je vais vraiment essayer de faire façon infiltration comme c'est censé être fait. Look at the radar. It's picking up the DARPA chief. He's the green dot. Hurry and rescue him. Donc là c'est un dialogue qui n'est pas obligatoire. Vous voyez qu'il y avait marqué call mais avec surligné en vert. C'est-à-dire qu'en fait les appels en rouge sont les appels importants que je suis obligé de prendre, alors que les appels en vert sont des appels qui sont pas forcément importants mais qui peuvent aider. Et là nous voici Donald Anderson, le chef du DARPA. Vous voyez, quand je vous parlais de petits rajouts de gameplay, ça c'est un petit rajout, par exemple l'extincteur, je peux tirer dessus pour libérer l'eau, ou le CO2 d'ailleurs, et ainsi étourdir les ennemis. Donc, moi, je vais monter. Et, oula, oh là là, rien. C'est horrible. Ah, ça va mieux. Ouais, donc je vous avoue que ça me perturbe un peu ce fait que le dialogue est changé au début, parce que normalement on est censé apprendre qu'il y a un autre intrus ici, et là on l'a pas appris. Enfin, ça me perturbe. Je pense que tous les puristes de Metal Gear qui ont joué au 1 sur PlayStation seront perturbés par ça. God damn cold. I hate Alaska. Boy, oh boy, that woman is built all right. Donc ce garde là, je vous raconterai à la suite une anecdote sur ce garde un peu plus tard. Mais c'est un garde qu'on retrouve je crois aussi dans le 2 il me semble. M9, donc le M9 normalement c'était les munitions pour le pistolet tranquillisant que je vous ai expliqué, je ne l'ai pas pris parce que normalement ce pistolet il n'existe pas dans le Metal Gear d'origine et donc je ne l'ai pas pris.
Alors, on devrait arriver très bientôt dans la cellule du chef du DARPA. Mais également au niveau d'une autre cellule. Ah non, c'est pas lui, si vu que c'est une femme, ah, bravo. Quelle perspicacité, Snake. Bravo, bravo. Et vous allez me dire que là, quand elle baisse la tête, elle voit pas, mais bon. Donc ce personnage féminin, c'est un personnage qui va jouer un rôle très important pour la suite de notre histoire. Mais bah, vous le découvrirez en temps voulu, hein, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors juste, petite précision, si parmi vous, il y en a qui n'ont jamais joué à un Metal Gear et qui découvrent ce jeu, il y a beaucoup... beaucoup dans les Metal Gear de séquences de codecs et de cinématiques. Donc je préfère vous prévenir maintenant, c'est normal si vous trouvez beaucoup de cinématiques ou beaucoup de séquences de codecs. C'est notamment une des raisons pour laquelle je n'ai pas joué à Metal Gear Solid 4, enfin je ne l'ai pas fait en Let's Play Metal Gear Solid 4 parce qu'on m'a beaucoup demandé de le faire, parce que pour moi Metal Gear Solid 4 n'est pas un jeu, pour moi Metal Gear Solid 4 est un film interactif. Parce que autant au début du jeu il y a beaucoup, c'est que de la phase de gameplay, mais autant on arrive à pas... Plus on avance dans le jeu, moins il y a de phases de jeu. Plus c'est des cinématiques en fait. Notamment la fin où c'est quasiment que des cinématiques qui peuvent durer une heure et demie. Et voilà, ça n'a aucun intérêt de faire ça en let's play pour moi, s'il n'y a pas de séquence de jeu. Bon bref, ça c'était le petit aparté. Maintenant, c'est le retour à la mission d'infiltration. Who's that? I'm here to save you. You're the DARPA chief, Donald Anderson, right? J'adore parce qu'en français, là, il fait oh, du calme, on m'envoie sauver votre peau. Je suis le gars qu'ils ont envoyé pour sauver votre peau. Les doublages français étaient vraiment bien faits, je trouve, dans ce jeu. They sent in here to save your bah, vous voyez, ils ont envoyé le con que je suis pour sauver votre peau. Really? It's true. You don't look like one of them. In that case, hurry up and get me out of here. Slow down. Don't worry. First, I want some information about the terrorists. The terrorists? Do they really have the ability to launch a nuke? What are you talking about? The terrorists are threatening the White House. They say if they don't accede to their demands, they'll launch a nuclear weapon. Sweet Jesus. Is it possible? It's possible. They could launch a nuke. How do they plan to launch? I thought this place was just for the keeping of dismantled warheads. They shouldn't have access to a missile. That's the official story. Got it? We were conducting exercises with a new type of experimental weapon. A truly historical weapon. What? A weapon with the ability to launch a nuclear attack from any place on the face of the Earth. A nuclear-equipped walking battle tank. Metal Gear. It can't be. You knew? Metal Gear is one of the most secret black projects. How did you know that? We've had a couple of run-ins in the past. So that's the reason you are here at this disposal site? Why else would I come to a godforsaken place like this? I had heard that the Metal Gear project was scrapped. On the contrary, it's grown into a huge joint project between Armstech and ourselves. We were going to use this exercise as raw data, and then proceed to mass production.
hadn't been for the revolution. Revolution? Rex has fallen into the hands of terrorists. Rex? Metal Gear Rex. The code name for the new Metal Gear prototype. They're probably already finished arming the warhead they plan to use with Rex. These guys are pros. They're all experienced in handling and equipping nuclear weapons. Hey! Shut up in there, will ya? J'adore comme il fait là. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qu'il y a? But I thought that all nuclear warheads were equipped with safety measures. Some kind of detonation code that you have to input. Oh, you mean PAL. Yes, of course. There is a PAL. It's set up so that you need to input two different passwords in order to launch the device. There are two passwords? Yes. Baker knows one, and I know one. Baker? The president of Arms Tech? That's right. Each of us needs to input our password, or there can be no launch. But... they found out my password. You talked? Psycho Mantis can read people's minds. You can't resist. Psycho Mantis? One of the members of Foxhound. He has psychic powers. This is bad. It's just a matter of time before they get Baker's too. If they find out Baker's password... yes. They'll be able to launch a nuke anytime. But there is a way to stop the launch. What? The card keys. Card keys? They were designed by Arms Tech, the system developers, as an emergency override. Even without the passwords, you can just insert the card keys and engage the safety lock. And if I do that? Yes. You can stop the launch. That card key. So where are the card keys? Baker should have them. Listen. You need three card keys. There are three different slots to put them in. You need to insert a card into each one of them. Okay, three card keys. Do you know where they might be keeping Baker? Somewhere in the second floor basement. Second floor basement. I heard the guards say they moved him into an area that has a lot of electronic jamming. Any other clues? Yes. They cemented over the entrances, but didn't have enough time to paint them. Why don't you look for the areas where the walls are a different color? Here, take this. It's my ID card. It'll open any level one security door. It's called a PAN card. It works together with your body's own electrical field. Personal area network, huh? It transmits data using the salts in your body as a transmission medium. As you approach the door's security devices, they'll read the data stored in the card. And the doors will open automatically. Gotcha. Okay, I'm gonna get you out of here. Wait a minute. What is it? You haven't heard any other way to disarm the PAL, have you? From your bosses or anyone? No. Are you sure you haven't heard anything? I just said no. So, does the White House plan to give in to the terrorist demands? That's their problem. It has nothing to do with my orders. But what about the Pentagon? Pentagon? What happened?
Quack. Dead. Naomi, the chief, what happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No! Colonel, are you hiding something from me? Absolutely not, Snake. You've got to understand. This counter-terrorist op is security level red. You'll need the highest security clearance to learn the real story. You want me to believe that you're in charge of this op, but you don't have complete access to the file? I told you. The Secretary of Defense is in operational control. I'm just here as your support. Snake, we don't have time to debate. Get out of there and find President Baker. Mais que s'est-il passé? Encore un complot gouvernemental? Alors regardez un peu ce qui se passe au niveau du radar. Hello. Ah, j'ai vu où tu t'es mis. Ah donc la petite anecdote, regardez. Tadam! Et ce garde enrhumé à poil comme ça, il y est également dans le jeu. C'est un petit clin d'œil marrant. Liquid? No, you're not. Don't move! Is this the first time you ever pointed a gun at a person? Your hands are shaking. Ça, c'est un rajout, vous voyez, qui ils ont fait sur la GameCube, qui n'était pas là avant. Careful, I'm no rookie. Liar, your eyes wander. There's no confidence in them. The eyes of a rookie. You've never shot a person, have you? You talk too much. You haven't even taken the safety off, rookie. I told you I'm no rookie. You're not one of them, are you? Open that door. You've got a card, don't you? Why? So we can get the hell out of here. Be a little delayed. Allez, un peu d'action. Don't think. Shoot. Stop l'infiltration. Ne pense pas et tire. Alors là, avec toute ma vie, ça devrait aller parce que normalement j'avais beaucoup moins de vie que ça. Allez. Oh. Fuck. Dégage de là, toi. Alors, oui, on va la faire. Si j'arrive à viser. Bon, on va la faire à l'ancienne parce que. C'est carrément impossible de viser avec la maille de GameCube. Je veux bien essayer, mais vu qu'il bouge, vous voyez. Ouais, non, c'est complètement impossible de viser. Alors on va la faire à l'ancienne. C'est-à-dire comme ça. En fait, quand je garde appuyé sur A, il vise automatiquement l'ennemi. Alors quand j'essaie de viser la première personne, quand il bouge comme ça, c'est complètement... Avec une manette de GameCube, c'est complètement impossible. Parce qu'en fait, la sensibilité du stick n'est pas adaptée pour ce genre de... Une munition, j'ai l'air malin. La sensibilité du stick, disais-je, n'est pas... Mais tourne-toi ! Voilà. N'est pas adaptée à ce genre de... Bah de jeu. On voulait pas me donner des munitions, normalement il... C'est de l'arnaque, normalement ils sont censés me donner des munitions. Attendez, je me fais arnaquer là-haut. Ça, on s'en fout. Oh,
Meryl. Ouais, tu l'es. Putain, non. Ah bah voilà, ouais, je me disais, normalement ils sont censés me donner des munitions. Voilà. Ouais, ils ont été un peu radins sur les munitions. Bon, après, c'est le temps de reprendre le jeu en main parce que... non, il faut reculer. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué à ce jeu que... Je suis un peu rouillé. Oh, des rations. Tout ça. Bah, au moins, on manquera pas de rations. Ouais, je suis un peu rouillé, mais ça, je vous ai dit... Avec... Franchement, j'ai vraiment du mal avec la manette de GameCube. Hein, donc, je suis désolé si le gameplay est... C'est un peu médiocre au début, c'est vraiment le temps que je me réhabitue au jeu. Mais je vais essayer de le jouer vraiment comme si c'était sur la PlayStation 1, c'est-à-dire pas avec la vue à la première personne quand c'est possible, parce que là c'est vraiment... Wait! Oh! Who are you? Voilà, l'un des personnages les plus classes de tout Metal Gear confondu. Psycho Man. J'adore ce personnage. You fool! You've killed him! I'm sorry, sir. His mental shielding was very strong. I could not dive into his mind. Now we'll never get that detonation code. Boss, I have a good idea. J'aime bien parce qu'en français ça fait boss, j'ai une bonne idée. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait les doublages en français comme ils avaient fait sur la PlayStation 1, ça aurait été marrant. Naomi, I just had some kind of hallucination. Is it from the nanomachines? No, Snake. The nanomachines are functioning properly. So what was it? It must have been psychometric interference coming from Psycho Mantis, Foxhound's psychic. Think of it as a mental feedback loop. So, that was Mantis. Eh oui, c'était Psycho Mantis. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré aussi. Putain, j'ai plus de balles déjà. Les magazines que j'ai récupérés, c'est des petits trucs à jeter qui servent strictement à rien. Et le book, ça, c'est un petit rajout qu'il y a depuis le 2 également, vous voyez. C'est pour distraire les gardes. Un petit truc osé. Bon, là encore, c'est pas très osé, mais voilà, qui est là pour distraire les gardes. Bon. Alors, ce qui est bien, les munitions, il n'y en a plus normalement. Ou peut-être. Non. Donc, ce qui est bien, c'est que maintenant, je n'ai pas besoin d'activer la carte dans le menu pour ouvrir une porte, vous voyez. Je peux prendre autre chose, et là, regardez, hop, ça s'active quand même tout seul, donc ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, donc, bah écoutez, on va partir, comme on nous l'a indiqué, au deuxième sous-sol, pour aller sauver Donald, non pas Donald Anderson, lui il est mort, pour aller sauver le Baker, le président d'Armtech. C'est parti. Donc zone à forte, interférence électromagnétique, ce qui veut dire que dans cette zone, mon radar ne sera pas... disponible tout le temps. Ceci étant dit, je crois que maintenant ici, il n'y a pas de garde. Alors faut faire attention parce que vous voyez, il y a des petits pièges.
comme vous avez pu le voir, là, la trappe qui s'est ouverte là. Donc là, je peux rentrer. Du C4, ça c'est parfait. Donc c'est du C4, c'est des mines. Alors les casiers n'étaient pas là à l'origine. Hein. Les casiers, c'est des rajouts. Parce que on peut se cacher dans les casiers ou tout simplement mettre des cadavres dans les casiers aussi. Je pense que les gens seront d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas forcément une grande utilité, mais bon. Voilà, donc j'ai du C4. Et vu qu'il n'y a pas de garde, je vais en profiter. Donc là, c'est niveau 5, on ira plus tard. Là. Ouais. Alors il y a une zone normalement où il y a des capteurs infrarouges, mais là apparemment c'est pas là. Des grenades, très bien. On en aura l'utilité un peu plus tard. Ici il devrait y avoir. Comme parfait. Alors une petite technique pour recharger. Vous avez un raccourci quand vous cliquez sur le bouton pour ouvrir les menus. Si vous cliquez brefement, c'est-à-dire que vous gardez pas appuyé, vous voyez, équiper, déséquiper, équiper, déséquiper. Et quand vous avez une arme avec un barillet, enfin pas un barillet, mais avec une quantité de munitions, si vous, le fait de déséquiper et rééquiper permet de recharger plus rapidement que si vous gardez l'arme en main. Parce que si vous gardez l'arme en main, Snake va recharger en enlevant le chargeur, passer un coup fin, donc là c'est un peu, voilà. Donc les murs où ils ont refait la peinture, regardez. Je pense que c'est clair. Tac, on met un C4, on s'éloigne et j'ai fait une connerie. J'en ai posé un deuxième. Et donc, tac et tac. Voilà. Alors là, des munitions pour le SOCOM, le FAMAS que je n'ai pas encore. C'est une grenade. Ah, bah le M9, je l'ai. On peut le prendre là aussi finalement, mais je pense pas. Très honnêtement, je pense pas l'utiliser. Hein, parce que normalement, il est pas censé être là celui-là. Et donc, des shafts, des stun grenades. C'est en fait des grenades, des stun grenades quoi, des grenades incapacitantes. Là. Ici, alors je vous avoue que j'avance plus à la au feeling qu'autre chose, c'est par rapport à ce que je me souviens. Non, là il n'y a pas. Et là, j'ai pas de truc pour le FAMAS. Donc le FAMAS, on le prendra un peu plus tard. Normalement là il n'y a rien. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et la dernière zone à ouvrir, elle est donc juste là. Voilà. Le sud de l'armurerie. Et là vous voyez, le radar est déconnecté parce que c'est une zone de forte interférence électromagnétique. Bon, bah sur ce les amis, moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre aventure avec Solid Snake. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et laissez un petit pouce bleu si c'est le cas, ça me ferait très plaisir. Salut tout le monde !